Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA, un live pour vous montrer un endroit, on va dire, secret, oui et non. Il y a des véhicules un peu bizarres dans l'eau, donc rappelez-vous, je vous ai montré l'avion devant la base militaire dans l'eau, pas loin de la base militaire, et là on va se retrouver un peu plus pas loin du désert de Trevor. Donc, si vous voulez un sous-marin, c'est juste ici où je suis garé avec la voiture. Vous voyez ma voiture qui est garée sur le côté. Et il faut venir par ici avec le sous-marin. Et c'est vraiment galère à chercher parce que quand il fait nuit, ben on voit très mal. Et même avec les lumières du sous-marin, on voit très mal. Donc vous voyez, il y a un camion militaire. Et moi j'adore vraiment, c'est juste le design parce qu'en fait c'est la vase qui est dessus. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment ancien. Donc là il y a un char, mais c'est pas les mêmes chars qu'on a sur GTA. Là il y a des roues dessus, donc c'est pas vraiment facile. J'arrive pas à piloter en plus le sous-marin. Donc en principe il y a 4 chars, des missiles, des caisses, il y a plein de choses. Et des caisses de munitions, il y a des camions, il y a plein de choses. Donc voilà un autre char. Donc pareil, si vous savez pourquoi ils sont ici, après si vous connaissez, bah dites-moi lui en commentaire. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ils sont ici, eux, ces véhicules, parce que c'est un peu plus loin de la route que même quand vous regardez sur la map quand j'ai fait une petite pause. Donc, pour vous montrer où c'était, donc voilà, il y a une caisse bleue avec, ça doit être une caisse de munitions, je suppose, avec un camion, voilà. Il y a aussi des missiles nucléaires, je pense. Mais voilà, c'est un peu suspense, c'est un peu bizarre. Donc là, ça doit être une remorque. C'est pas facile de reconnaître des choses parce que voilà, c'est un peu détruit. Il y a des pneus, donc ça doit être une remorque, je pense. Là, c'est pareil, ça doit être une derrière d'une remorque, je sais pas. Voilà, c'est pas vraiment facile de reconnaître. J'ai envie de vous dire, parce que voilà, vous avez vu, c'est bien dur de voir à quoi ça ressemble dans l'eau. Et c'est mieux y aller au sous-marin que y aller à la nage. Mais c'est vraiment cool. S'il y a d'autres trucs à découvrir dans l'eau, je sais pas, des avions, un truc comme ça, si vous le savez, s'il y a d'autres endroits. Bah dites-moi en commentaire, moi ça peut m'aider. Ça peut m'aider et comme ça je pourrais aller faire vidéo. Moi je vais chercher de mon côté, regarder, j'adore fouiller comme j'avais fait pour l'avion. Donc voilà, il y a des caisses de munitions. Ouais, des caisses de munitions, on va dire, ça je pense. Voilà, il y a plein de choses. Les missiles nucléaires, j'en ai pas encore vu. Mais comme c'est pas facile d'aller voir, ils sont peut-être dans le coin. Désolé si j'arrive pas à les trouver, c'est vraiment des missiles. On voit la tête de la torpille et tout, et le derrière, c'est avec les hélices. Mais j'ai cherché, je cherche et je trouve pas. J'ai même en dehors de la vidéo, j'avais du mal à trouver les endroits. J'ai mis pratiquement 1 heure et demie à chercher les tanks et tout, et en fait, bah, j'étais juste à côté. J'avais vu le premier tank, mais les autres, je ne les voyais pas. Donc voilà, c'est pas vraiment facile. Parce que comme vous avez vu, c'est vraiment dans l'eau, et voilà. Et pour chercher, bah, c'est un peu plus dur. Donc là, ça doit être une remorque, je ne sais pas. Hein. Ça ressemble à un wagon de train. Voilà, moi je trouve ça un peu bizarre que ça soit là dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'il y avait une route qui passait par-dessus, ça a été jeté? Est-ce qu'il y a une histoire? Je ne sais pas. Ça sera intéressant de savoir quand même parce que on fout pas des gens militaires dans le coin. Surtout avec des missiles nucléaires, est-ce qu'ils annoncent un DLC? Je sais pas, moi je dis des conneries, mais après je peux pas ça. Je parle d'un DLC où on peut détruire la map, ou je sais pas, où il y a une map secrète et on peut détruire la map secrète, je ne sais pas. C'est juste pour savoir pourquoi il y a des missiles aussi dans l'eau, pourquoi il y a des camions, c'est un peu bizarre. Après, c'est des tanks qu'on n'a pas, nous, les tanks, c'est avec des chaînes. Et là, des chenilles, oui, des chaînes ou des chenilles, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, c'est des roues dessus, donc tu vois, ça, on va fouiller un peu partout pour aller voir. Là-bas, je suis pas sûr, je vais voir un peu là-bas. Mais voilà, et on voit bien qu'il est manqué sur le côté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, bien sûr. Et de me dire en commentaire si vous connaissez cet endroit ou pas. Et me dire si vous savez pourquoi c'est dans l'eau. Après, vous allez me dire, vous n'êtes pas le créateur du jeu, mais il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées sur GTA qui peuvent savoir. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.